comme je disais, le Saint-Esprit m'a fait le privilège d'apporter le message aujourd'hui. Et lorsque j'étais en train de méditer avec notre Père, lui demandant qu'est-ce que je peux apporter pour aujourd'hui, qu'est-ce que nous devrions entendre aujourd'hui, le message, c'est les causes de la peur. Quelles sont les causes de la peur? Parce qu'on a besoin de comprendre. Si on ne comprend pas, c'est difficile, en fait. Ce n'est pas parce qu'on est de mauvaise foi, ce n'est pas parce qu'on manque de foi. C'est parce que simplement, on ne sait pas. Et c'est pour cela que j'avais posé la question épignoxis, au fait. Parce que notre enseignant nous avait parlé d'épignoxis et tout ça. On se dit, la connaissance juste, correcte, parfaite, précise de Christ. Mais même ça encore, il faudrait qu'on puisse comprendre. Alors, la semaine dernière, on avait vu avec mon époux, pour les personnes qui n'ont pas suivi la vidéo, je vous invite à regarder, c'est vraiment très édifiant. Donc, il parlait de l'appel de Dieu. Et il disait que l'appel de Dieu, c'est une conviction, ce n'est pas une obligation. Et c'est extraordinaire parce que cela m'a fait penser aux entreprises. Vous savez, lorsque une entreprise, en fait, lance un appel, donc l'entreprise recherche une personne. Et quand elle recherche une personne, lorsque vous allez candidater, lors de l'entretien, vous allez remarquer que le patron va vous poser cette question. Mais pourquoi vous avez postulé chez nous? Et souvent, nous, comme on ne sait pas ce qu'on veut, parce qu'on a l'impression que c'est une question piège, parce qu'on se dit, mais pourquoi il me pose cette question? Il ne sait pas que je cherche du travail. Bien sûr, il veut être sûr que c'est parce que quelque part, tu as de l'intérêt à venir dans cette société. Il veut te l'entendre dire, pour pas qu'un jour, demain, tu dises, oui, c'est parce que c'est toi qui m'as appelé ici. Parce qu'on est champion là-dedans, oui, tu sais, moi personnellement, cette boîte-là, ils sont comme ci, ils sont mauvais, ils sont comme ça, le patron, mais tu t'es renseigné, tu es censé t'avoir renseigné avant de venir là, mais apparemment non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a postulé à 200, 300 offres d'emploi, on ne sait même plus, et puis un matin, il y en a un qui t'appelle, et puis toi, tu sais ce que tu veux, qui te prend quoi, tu vois. Alors qu'en vérité, vous allez remarquer, quand une personne sait ce qu'elle veut et qu'elle postule à une société, quand elle arrive là, elle va argumenter. Oui, je viens dans votre entreprise parce que dans votre entreprise, voilà, il y a, on s'occupe bien des salariés dans l'entreprise, voilà, il y a les tickets restaurants, il y a les avantages, et puis aussi, il y a une possibilité d'évolution. Et voilà, il y a tous ces arguments. Même le patron, il est content, il s'est dit, waouh, et puis vous avez un fort chiffre d'affaires et tout ça. Tu vois, le gars, il est content, il s'est dit, purée, elle sait vraiment ce qu'elle veut, tu vois. Donc, c'est un peu comme ça avec Jésus. Donc Jésus lance l'appel. On dit la moisson est grande. C'est une réalité. On vit au quotidien. On voit la souffrance que les gens ont, en fait. Donc à un moment, on voit que Jésus lance un appel. Il veut des personnes qui vont ensemble travailler. Des personnes qui vont aller sauver des âmes. Des personnes, en fait, qui vont aller répandre la bonne nouvelle. Et toi, quand tu entends cet appel, tu dis, Seigneur, moi, je suis prête, je veux partir. Il ne va pas t'effrayer, il ne va pas te dire que si tu ne viens pas, je vais te menacer, je vais te faire si c'est pas vrai. Donc, effectivement, j'ai fortement été édifiée la semaine dernière par ce message-là. Parce que, oui, c'est un privilège, en fait. C'est un privilège de travailler dans une très bonne société. C'est un privilège de travailler dans une très grande boîte. Attendez, le royaume des cieux, c'est quand même la meilleure société au monde. C'est un privilège quand même d'être ambassadeur, tu vois. Regarde, rien que le titre même, ambassadeur de Christ. Amen. Alors qu'avant, on était serviteur, c'est vraiment, Dieu va te frapper. Donc là, franchement, Père, je ne veux pas partir, ne m'envoie pas, parce que tu as vu, Jérémie, il ne voulait pas partir parce qu'ils avaient une mauvaise compréhension de Dieu. Et gloire à Jésus, Jésus est venu lui-même nous démontrer qui est Dieu. Il a dit, celui qui a vu, qui m'a vu, a vu le Père. Ensuite, moi, alors, je suis en ce moment en train de découvrir encore et redécouvrir, savourer le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Les mêmes personnes autrefois qui ont existé, ce sont les mêmes aujourd'hui. Les mêmes personnes, le même cerveau, la même mentalité. Donc, moi, j'avais enseigné sur Israël qui était sorti de l'Égypte. Et j'avais dit qu'Israël est sorti de l'Égypte. Et on avait souvent dit que l'Égypte était symbole du monde. Ou d'autres disaient que Pharaon, c'était le diable. Bon, c'est une image, hein. On peut vraiment imaginer ça de plusieurs manières parce qu'on voit bien que Pharaon n'est pas le diable au sens propre puisque Jésus, à un moment, a dû aller au fait de s'expatrier vers l'Égypte pour être protégé lorsque Hérode est en train de tuer les enfants. Donc, on voit bien que si c'était le diable, Jésus serait pas allé là-bas. Mais c'est juste des images pour qu'on puisse comprendre. Donc, on va aller dans ce sens que l'Égypte était, comment dirais-je, l'image au fait de l'oppression, de la maltraitance du monde. Et Dieu, ayant entendu le cri d'un peuple, certainement pendant 430 ans, Dieu a fait une promesse à Abraham. Et on voit bien qu'il y a eu 430 ans quand même qui sont passés. On s'est dit, mais en ce moment, Dieu, il faisait quoi? Il dormait ou quoi? Mais au fait, tu te dis, là, Dieu m'a dit, j'ai entendu le cri.
Certainement, les hommes d'avant, ils s'en foutaient. Peut-être qu'ils se disaient, oh, il n'y a pas de problème. Parce qu'on voit même ceux d'aujourd'hui, même quand ils ont crié, il y a un moment, ils disaient, ah, mais nous, on veut retourner en Égypte. Hein. On veut toujours retourner en Égypte. Donc, souvent, il y a des cris. On crie, mais en même temps, on a envie de retourner là-bas. Quoi, tu vois. On crie, mais on a envie de retourner là-bas. Donc, juste pour vous montrer un peu ce type de peuple que nous sommes aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas de différence. Donc, ce peuple a crié à Dieu. Et Dieu va dire, ben, comme ils ont crié, il va susciter un leader qui est Moïse pour aller sauver ce peuple. On a vu que lorsque Dieu va délivrer Israël, c'est-à-dire sur le chemin, il va le faire traverser par le désert, il va le faire passer par le désert. Et je vais reprendre ça parce que j'ai eu des appels, j'ai eu vraiment des personnes qui disaient, waouh, j'avais jamais vu ce verset. Et je vais quand même prendre ce verset, c'est dans Exode chapitre 13, on va le prendre ensemble. Mais j'aime bien ma version à moi, parole de vie. Exode chapitre 13, à partir du verset 17. Exode chapitre 13, à partir du verset 17. On va le prendre ensemble, parce que nous aimons la Bible et nous sommes passionnés des Écritures. Alors, je vais reprendre au verset 16. Ces sacrifices seront pour vous un souvenir, tout comme une marque sur votre bras ou sur votre front. Ils vous rappelleront ceci, c'est le Seigneur qui nous a fait sortir d'Égypte grâce à sa puissance. C'est le Seigneur qui nous a fait sortir d'Égypte grâce à sa puissance. Quand le roi d'Égypte laisse partir les Israélites, ça c'est dans ma version, Dieu ne leur fait pas prendre le chemin du pays des Philistins. Pourtant, c'est le plus direct. Dieu ne les fait pas prendre le chemin du pays des Philistins. Pourtant, c'est le plus direct. En effet, ils pensent en voyant les combats à mener, le peuple va peut-être regretter son départ et revenir en Égypte. Donc, on comprend par là que Dieu ne les fait pas passer par le pays des Philistins, parce que quand on voit sur la carte, effectivement, ce pays-là, c'est plus court. Mais vous connaissez les Philistins, hein? Jusqu'à David, là, hein, Goliath, là, on rigole pas avec eux. Donc, Dieu savait que comme c'était des personnes qui étaient esclaves, qui n'ont jamais vu de combat, s'il les faisait passer par le pays des Philistins, c'est vrai que ce pays, c'est le plus court, ils allaient se repentir, dans d'autres versions, regretter, retourner en arrière. C'est pour cela que Dieu les fait passer par le chemin du désert, pour les protéger. Et c'est ce que j'avais dit. Ce n'est pas pour les faire passer dans le chemin du désert, pour dire, vous n'avez pas assez souffert en Égypte. 430 ans, c'est rien. Je vais encore vous bien vous maltraiter, vous allez comprendre. On a vu que ce n'était pas possible. Gloire à Jésus. C'est une belle révélation. Et Dieu les fait sortir de là. Une fois qu'il les fait sortir de là, que maintenant il les fait passer par le chemin du désert, la preuve, dans leur désert, ils n'ont manqué de rien, contrairement au désert de certaines personnes, où ils manquent de tout, ils sont malades, ils sont éprouvés, ils disent c'est le désert. Le désert de Dieu n'est pas le désert du monde, parce que Dieu n'est pas mauvais, il n'est pas pervers. Hein. Dans son désert, tu ne manques de rien. Il ne veut même pas que tu lui dises c'est moi, c'est toi qui m'as fait passer là et tu me fais souffrir. Il ne veut même pas. Il ne veut même pas. Lui, quand il te fait passer quelque part, c'est qu'il a tout prévu pour toi. En tout cas, c'est que ce n'est pas lui qui devrait faire passer par là. Quand c'est Dieu là, tu peux dormir tranquille. Ouais. Donc voilà que Dieu les fait passer par le chemin du désert. C'est tout un peuple hein, qui ont été délivrés de la puissance de, comment dirais-je, de l'Égypte. Hein. Ils ne verront plus l'Égypte. Sauf que ils sont délivrés pour aller où? À Canaan. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'ils sont délivrés, on voit bien qu'il y a la présence de Dieu. Dieu est avec eux. Dieu est au milieu d'eux. Mais pourtant, ils ont peur d'aller à Canaan. Malgré la présence de Dieu. Aujourd'hui, on nous dit que Dieu vit en nous. Pourtant, les circonstances de la vie nous terrifient. On n'arrive pas à les affronter. On nous dit que de pauvre que Jésus, de riche qu'il était, plutôt il s'est fait pauvre, afin que de par sa pauvreté, nous puissions être enrichis. Ça, c'est une chose qu'on sait. Ça s'appelle l'information. Mais la différence, c'est la révélation. La révélation va tout de suite engendrer le cas pratique. Quand il y a une révélation, c'est, voilà, on discute pas, c'est comme ça, je suis riche. Mais quand il n'y a pas une révélation, ah, on dit que de pauvre, de riche que Christ était, il s'est fait pauvre, afin que moi je sois riche. Mais franchement, dans mon compte, là, c'est chaud. Hein. Tu vois, ça, là, c'est ce qu'ils ont dit, hein, mais c'est chaud dans mon compte, tu comprends. Donc, tu vois, il y a deux choses. C'est vrai, je sais, j'ai entendu cette information, mais je ne vis pas. Et c'est pour cela, je veux vraiment qu'on voit les causes de la peur. Parce que c'est grave, quand on a peur, c'est très grave. La peur, c'est dans tous les domaines et même la peur du futur. Et c'est ça que Christ appelle la peur du lendemain. Et on va comprendre au travers du peuple d'Israël. Quand ce peuple-là, moi ça m'a halluciné, vous allez comprendre avec moi. Quand Dieu dit à ce peuple, vous allez aller habiter un pays qui s'appelle Canaan, là coule le lait et le miel. Et c'est une promesse qu'il avait faite à Abraham. Mais vous allez voir qu'à un moment, quand
Dieu va dire à Moïse, envoie les 12 espions. Il va préciser, il va dire, il faut prendre des chefs, des leaders, des personnes que lorsqu'elles parlent, tout de suite les gens écoutent. Mais là, vous allez comprendre, il y a leader et leader. Alors, parmi ces 12 chefs, quand ils sont partis, ils ont vu et ils ont dit quoi? Ah oui, c'est vrai! Ah oui, franchement, il y a tout le miel, le lait, toute cette histoire que vous connaissiez. Regardez même les produits, les raisins que nous avons eus. Mais par contre, habite là-bas des géants. Et ils vont décrire ce que c'est que les géants. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai! Notre leader, c'est vrai! Le pasteur, l'évangéliste, la sœur a dit que nous sommes bénis, que nous marchons sur les circonstances de la vie. Elle a dit que c'est écrit que nous sommes plus que vainqueurs. C'est écrit que l'amour de Christ est déversé dans notre cœur. Mais ma voisine m'a énervé. Ma collègue de travail m'a énervé. Mon patron m'a énervé. Mon mari m'a énervé. Ma femme m'a énervé. C'est vrai, c'est écrit. Tu vois, on ne le vit pas. C'est vrai. On marche sur les circonstances de la vie. Mais il est dit... Attends, peut-être que tu n'es pas au courant. Il est dit qu'à cause du Covid, il n'y a plus de travail. Il est dit qu'en Côte d'Ivoire, là, pour avoir du travail, il faut aller corrompre les gens. C'est difficile. Hein? Donc, il y a quelque chose qu'on va entendre à l'église qui nous, vraiment, qui nous réjouit, où vraiment on se dit, waouh, effectivement, parce qu'ils étaient, ils sont partis dans un élan en quittant l'Égypte pour aller à Canaan. Mais voilà que lorsqu'ils sont allés vérifier Canaan, ils ont vu que c'était vrai. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Toute cette histoire de Canaan, on comprend que c'est une image, métaphore, ça explique des choses au fait. Parce que Canaan, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas le paradis, ce n'est même pas ça, c'est impossible. Ça ne peut même pas être le paradis, c'est une image. Et c'est pour cela qu'il faut bien comprendre les choses pour nous-mêmes. Pourquoi eux ne sont pas rentrés? Est-ce qu'ils étaient mieux ou est-ce que nous sommes mieux qu'eux? Non, parce qu'aujourd'hui, on réalise que beaucoup d'enfants de Dieu à qui on a donné cette promesse, cette alliance, ne rentrent pas en fait à Canaan. Et vous allez comprendre quelque chose qui est incroyable. Vous allez comprendre que les causes, les conséquences au fait de la peur, c'est grave. C'est l'ignorance. Quand on ne sait pas, c'est grave. Quand on ne sait pas, on a toutes sortes, toutes formes de fabulations. Ça doit prendre la place. Quand tu ne sais pas quelque chose, c'est clair que dans ta tête, tu te fais plein d'imagination. Et tu donnes plein de raisons à ce que tu vis. Et c'est ça, toi, ta vérité. C'est ta vérité. Mais ce n'est pas la vérité de Christ, la vérité épignoxis. Donc, on va prendre... Alors, vous allez voir, dans Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 13, à partir du verset 29 jusqu'à 33, et moi, je vais prendre Josué chapitre 2, verset 8. Nombre 13, verset 29. Les Amalécites habitent la région du Néguev. Les Hittites, les Jébusites et les Amorites sont dans les montagnes. Les Canaans habitent au bord de la mer Méditerranée et sur les bords du Jourdain. Caleb fait taire les Israélites qui critiquent Moïse. Il dit, allons-y, montons là-bas et prenons le pays. Nous aurons la victoire. Mais les hommes qui sont montés avec Caleb disent, ce peuple est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas l'attaquer. Et devant les Israélites, ils se mettent à dire du mal du pays sur lequel ils sont allés se renseigner. Ils disent, le pays que nous avons visité fait mourir ses habitants. De plus, tous les gens que nous avons vus sont très grands. Nous n'avons même vu des géants. Ce sont les gens de la famille de Danak. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être des sauterelles. Amen. Et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Alléluia, amen. Amen. Donc, ça c'est dans ma version. Et dans ma version, verset 32, moi je vais commencer à verset 32. On dit, c'est ma version. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Ça fait peur, hein, franchement. Tous ceux que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak et de la race des géants. Nous étions à nos yeux et avec le leur comme des sauterelles. Ça, c'est ce que le peuple d'Israël était en train de décrire du pays qu'ils allaient aller prendre. C'est-à-dire que quand Dieu leur a dit, vous allez partir à Canaan, c'est comme si Dieu, tu vois, Dieu les fait prendre un risque, mais Dieu, il ne s'en rend pas compte. Non, mais
Mais Dieu, tu ne te rends pas compte ce que tu nous demandes. Mais est-ce que tu as vu les personnes vers qui tu nous envoies? Et vous allez voir maintenant la suite. Et regardez maintenant ce qui se passe à Canaan. C'est extraordinaire. Alors, moi, je vais prendre Josué chapitre 2, à partir du verset 8. Et ça, ça vient de la bouche d'une prostituée. Là, je vous parle d'un peuple d'Israël. Un peuple de Dieu, pardon, Israël, qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont vu la mer s'ouvrir. Mais regardez comment ils avaient peur. Mais là, une prostituée, qui elle, chaque jour, couche avec au moins 10, 20 clients. Regarde ce qu'elle dit. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Elle leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisi. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Or, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'eux sont de l'autre côté, là-bas, sont en train de se faire des films. Ils imaginent que là où ils vont partir, ils ont vu des gens. Alors que les gens là-bas, ou les personnes là-bas, se disent, oh, nous, on a appris ce que Dieu a fait. Et quand vous lisez l'histoire et vous situez les temps, quand la mer s'est ouverte, ça a pris des années, en fait. Parce qu'ils ne sont pas arrivés tout de suite combattre le roi des Amoréens. Donc, ça dit, on ne sait pas, c'est extraordinaire, il n'y a pas de téléphone portable, mais ils ont appris ça quand même. Ils ont appris ça et ça les a terrifiés. Et en plus, ils ont appris, non seulement ils ont appris pour la mère, mais en plus, ils ont appris aussi pour le roi. Alors que le roi des Amoréens, c'est un roi qui est puissant. Ce roi a combattu Moab. Il a arraché tous les royaumes de Moab, toutes les villes. Vous avez détruit ce peuple. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu peut me dire, je suis avec toi, n'aie pas peur. Vas-y, n'aie pas peur. Je veux quoi? Je veux du travail. Je veux, mais vas-y. Et moi, je me dis, mais tu sais, les patrons, maintenant, ils sont compliqués. Tu sais, moi, j'ai été esclave. Parce que c'est ça, les Égyptiens. À chaque fois, ils ont peur, ils veulent retourner en Égypte. Parce que c'était vrai. C'était vrai ce qu'ils disaient. C'est vrai. J'ai pas été à l'école. C'est vrai, j'étais esclave. C'est vrai, j'ai pas eu de diplôme. Je fais que le ménage. Je fais que des travaux durs. Et toi, tu me dis d'aller habiter un pays où il y a des géants, un pays où il y a des forteresses qui est bien parti, un pays où les gens là-bas, ils sont intellectuels, ils ont fait des études, ils ont réussi. Et moi, je dois aller là-bas. Mais c'est pas possible. Alors que ceux de là-bas se disent, celle-là, quand elle parle, il y a quelque chose en elle. Celle-là, j'ai vu son accoutrement, j'ai vu son attitude. C'est vrai, elle n'a pas de diplôme. Mais le langage, lorsqu'elle parle, il y a une telle sagesse qui sort en elle. Parce que les jeunes filles de maintenant, quand elles parlent, elles sont tellement effrontées. Mais cette jeune fille, elle, quand elle parle, il y a quelque chose de différent en elle. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Ça s'appelle la grâce de Dieu. C'est-à-dire que, comme on est ignorant, parce qu'on ne connaît pas Dieu en vérité, on ne le connaît pas. Et comme on ne le connaît pas, parce que, bon, je parle de connaissance, hein, je ne parle pas de croire en Dieu, puisqu'on dit le diable même croit en Dieu. La preuve, il n'est pas changé. Il croit en la puissance de Dieu, il n'est pas changé. On ne parle pas de ça. On parle de la révélation de sa bonté. La révélation de sa bonté. Parce qu'il s'il m'aime, ça veut dire que ce qu'il m'a dit, il va véritablement le faire parce qu'il m'aime. Quand quelqu'un vous aime, et la personne te dit, je t'aime. Et tu peux être sûr qu'avec moi, je te donnerai tout ce dont tu veux. Parce que tu le mérites. Juste parce que tu as confiance dans cette personne. Et tu connais la personne. Tu sais quand cette personne est sincère. Tu dis, je crois en ce que tu dis. Quand on est ignorant, on peut faire des choses, mais vraiment d'une stupidité incroyable. Vous savez, autrefois, par l'ignorance du caractère de Dieu, de son cœur, de sa bonté, par l'ignorance, je ne me maquillais pas. Parce qu'on m'avait dit que quand tu te maquilles, tu vas en enfer, tu rates l'enlèvement. L'ignorance nous fait faire des choses où souvent on pense que c'est Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, mon peuple périt. Parce qu'il manque la connaissance. Quand tu es ignorant, ça veut dire quelque part, il n'y a pas de connaissance. Mon peuple périt tout simplement parce qu'il manque la connaissance. De quel type de connaissance nous parlons? La connaissance, la révélation de Christ. Amen. Beaucoup de personnes connaissent des choses de la Bible. Mais quand on parle de cette connaissance, on parle du cœur de Dieu.
Il faut chercher à connaître son cœur. Quand on ne sait pas des choses, on s'imagine tellement de trucs liés à la peur. Vous imaginez, je vais vous donner des exemples de cette ville. On a entendu, par exemple, pendant la campagne électorale en France, Éric Zemmour dit des choses sur les Noirs, les Africains, les étrangers. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Et donc, comme il est ignorant, il a peur de cette population-là. Ils vont être nombreux, ils vont se multiplier, peut-être qu'ils vont venir nous envahir, ils vont même nous chasser de notre pays. C'est extraordinaire comment, quand tu es ignorant, tu as peur. Et ta peur te fait créer une connaissance que tu penses que c'est la vérité. C'est la peur et tu restes là-dessus. Et tu as des argumentaires incroyables, impressionnantes. J'aime Jésus parce que sa vérité, parce que lui ce qu'il dit, moi ce que j'aime Jésus, quand vous regardez Jésus, c'est extraordinaire. Vous savez, Jésus, le gars il marchait simplement. Quand on dit qu'il n'avait ni beauté, ni apparence pour attirer nos regards, quand tu regardes ce verset dans Ésaïe 53, c'est extraordinaire quand je l'étudie, parce que tu penses que bah, peut-être qu'il s'habillait bizarrement avec des vêtements déchirés et tout ça. En fait, moi je pense que c'est l'assurance au fait. Il était trop simple. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on dit que c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Tu sais, quand tu sais qui tu es, tu t'en fous. Vous savez, Emmanuel Macron, quand il a été élu la première fois, le gars, il avait une méga fête, quoi, tu vois. Pour le jour qu'il avait été, je sais pas comment dire, ordonné ou j'en sais rien, le mot qu'ils utilisent. Mais la deuxième fois, là, le gars, attend un petit truc. Bah oui, parce qu'il n'avait plus rien à prouver. Un petit truc. Solennel. Des invités restreints. Tout. Voilà. Parce que quand tu sais que c'est acquis, parce que tu sais qui tu es, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Tu marches dans une simplicité. Vous savez, l'ignorance a emmené Saul de Tarse, qu'on appelait Paul, à persécuter des chrétiens. Et il pensait qu'il était dans sa vérité. C'est dangereux l'ignorance. Parce que quand tu es ignorant, tu te bâtis une connaissance, une vérité que tu t'as plus là-dessus. L'ignorance faisait croire qu'avant Jésus pouvait revenir du jour au lendemain. Donc, il ne fallait pas investir. Il ne fallait pas rêver, avoir des projets parce qu'il pouvait revenir à tout moment. Alors que, imaginez-vous, il y a plus de 2000 ans, c'est pareil qui s'est passé. Quand Jésus est venu sur le chemin d'Emmaüs, les gens espéraient en Jésus un sauveur qui nous délivre de l'oppression de l'Empire romain. Ils espéraient cela. Et quand Jésus est mort, ils ont dit, bah, c'est mort. Quoi. Alors là, le gars, il est mort. Notre espérance, elle est morte. C'est la fin. Il n'y a pas eu de fin du monde. Le monde a continué. Allez-y étudier l'histoire. Tous les royaumes, les empires. À chaque fois, les gens pensaient que c'était la fin. Première guerre mondiale, moi, je n'étais pas né. Mais j'imagine à cette époque-là. Parce que la guerre, ce n'est pas la plaisanterie. Hein. Quand il y a la guerre, on cherche chapeau. Hein. C'est pour ça que quand Dieu a dit, ceux-là, je ne veux pas qu'ils passent par le pays des Philistins. La guerre, on ne réfléchit pas deux fois. On prend ses bagages et puis on va. On ne sait pas où on va, mais on va quand même. Donc, il a dit, je ne vais pas les faire passer par le pays des Philistins parce qu'ils n'ont jamais vu la guerre. Je vais les faire passer dans le désert, c'est calme, il n'y a rien. Je vais pourvoir tout ce dont ils ont besoin. C'est pas grave, c'est vrai, c'est difficile, mais comme je suis Dieu, je ferai un chemin, même dans le désert, j'apporte l'oasis, j'apporte toutes sortes de la nourriture, tout ce dont tu veux. Supermarché, même dans le désert, je crée ça pour vous. Ils n'ont pas manqué de faim. C'est incroyable, ils n'ont pas manqué de faim. Tout, je vous mets ça. Parce que la guerre, c'est terrifiant. L'ignorance. Vous imaginez, l'ignorance te fait croire à des choses extraordinaires. Les gens, les nations. Effectivement, quand Jésus est venu, il devait avoir une fin du monde, voilà, entre guillemets. À partir de Jésus, on a commencé à compter l'an 1 après Jésus, l'an 2, l'an 3, l'an 4, l'an 5, l'an 6. C'est un nouveau monde qui a commencé. Comme le jour de la sortie du peuple d'Israël en Égypte. À partir de cet instant, Exode 12, on dit, vous remettez le calendrier à zéro, ça sera le premier jour du premier mois de votre première sortie. Donc, ils ont commencé à compter à partir de là. 430 ans, tout ça, ils ont oublié. C'était leur nouveau commencement, leur nouveau départ pour eux. L'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 5, l'an 6. Il y a eu toutes ces personnes, ces empereurs. Il y a eu toutes tous ces dictateurs. Il y a eu ces personnes, ces gens qui s'aimaient de la terreur. On a entendu parler d'Hitler. Mais le monde continue. L'ignorance, ça t'engendre la peur. L'ignorance a fait que ceux-mêmes qui avaient la Torah, ceux-mêmes qui ont protégé la Torah, quand vous regardez sur les documentaires comment on traitait la Torah, c'est extraordinaire. Je dis, en tout cas, moi, franchement, les papiers là, ça reste pas un an avec moi. Au bout de deux ans, c'est devenu comme serpillère. Je dis, ils ont combien de siècles après Moïse? Je te dis qu'ils traitent la Torah d'une manière, ils embrassent ça même. Je dis, quand tu regardes dans les trucs et tout ça, c'est tellement. Pourquoi ils conservent ça? Parce qu'ils disent que le Messie doit arriver. On ne doit pas perdre
parce que quand le Messie va arriver, l'on est prêt. Le Messie est arrivé, l'ont crucifié. Ça s'appelle ignorance. Et l'ont crucifié. Toi, t'es qui? Tu marches avec des pécheurs. C'est pas possible. Tu peux pas te prétendre être Dieu. Un Dieu qui se mélange avec des impurs. C'est pas possible. Tu peux pas être Dieu. L'ami des pécheurs, collecteur des impôts. Tu dis non, c'est pas possible. En plus, on te demande cette pièce d'argent, on doit remettre à qui? Et toi, tu dis remettre à César ce qui appartient à César. Non, mais nous, on pensait même que tu allais nous dire quelque chose. Non, c'est pas possible, c'est pas notre sauveur, ça. L'ignorance. C'est pourquoi nous avons besoin de la connaissance. La connaissance de Christ. La connaissance parfaite, précise. Comme mon mari l'enseigne, l'épignosis. Moi, personnellement, je l'ai compris. Parce qu'il y a trop d'informations dans le monde. Trop d'informations. Et si tu ne fais pas attention, tu vas voir que tu es ébranlé. C'est extraordinaire. Vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui ne dorment pas en paix. C'est incroyable. Hein? Moi, personnellement, je bénis Dieu. Quand je vais dormir, je dors bien. Hein? Je n'ai pas de problème. Mais c'est un truc, c'est que je me dis, mais il y a des enfants de Dieu qui ne dorment pas en fait. Qui ont peur de tout, qui ont peur que Jésus revienne à 4h du matin. Mais si Jésus revient, c'est une très très bonne chose. Oui. Quand j'ai ouvert la parole de Dieu, que j'ai médité le jour du retour de notre roi. Mais quand j'ai vu tous ces plats, tu vois, en fait, ça sera un mariage, au fait. Parce qu'en vérité, nous sommes fiancés. Mais nous appelle déjà épouse. Parce que vous savez que lorsque Joseph était marié à Marie, on disait que Joseph, le fiancé de Marie. C'était écrit, mais pourtant on dit Joseph l'époux de Marie. Ils n'étaient pas encore mariés, mais c'était l'époux de Marie. Donc fiancé dans le langage des Juifs, c'est mariage. Donc nous sommes fiancés. Ça veut dire c'est bon. Quand on dit fiancé, c'est bon. C'est pas comme ici là. Quand on dit fiancé, on essaie, on ne sait jamais. Peut-être dans 3 ans, ça va pas marcher. Chez eux, c'est ça. Donc quand Jésus va revenir, ça sera des festins. Et pourquoi je dois redouter son retour? Pourquoi je dois me retirer mes mèches parce que Jésus revient? Je dois enlever mon maquillage? Et me mettre des soutanes pour l'attendre. Mais c'est pas possible. Ça s'appelle l'ignorance, au fait. Et ça nous crée toute forme de croyance. Et on pense que cela est. Et au fait, d'autres pensent que ça vient de Dieu. Voilà, la haine. On a persécuté des Noirs à l'époque de l'esclavage, sous la base de Genèse 17, à partir du verset 1 à 2. Et pendant des siècles, on s'est appuyé sur ça pour dire que c'est que Dieu a dit que parce que Noé, on ne dit même pas Dieu, hein, parce que Noé a maudit Canaan, donc nous aussi, ça veut dire qu'on va détruire les gens. Noé n'est pas Dieu. Tu vois comment on voit mal les choses. Toi, tu dis que Noé a fait. Tu te dis maintenant, mais peut-être que Noé a dû se tromper. On n'a même pas, parce que la connaissance t'amène le discernement, la connaissance épignosis, la connaissance de Christ. De Christ, ayons les yeux focalisés sur Christ. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Il y a l'éternel, comment dirais-je, souvent, on dit il y a l'éternel qui apparaît par Moïse, l'ange de l'éternel dans Exode 33. Et à un moment, tu vois que bah, finalement, ce n'est pas l'éternel, parce que Moïse pense que c'est l'éternel, alors que c'est l'ange de l'éternel. On voit celui qui apparaît à Balaam, c'est-à-dire l'âne, l'ange qui vient, et on l'appelle l'éternel. Après, on se rend compte que bah, finalement, ce n'est pas Dieu. En fait, on ne sait pas. Et c'est tellement compliqué. Qu'à un moment, Jésus lui-même dit, ben moi, je vais venir me faire connaître à vous. Moi, personnellement, lorsque j'observe à Jésus, cela me donne de la foi. Et quand je n'ai pas de la foi, je n'ai pas de la confiance. Parce que je regarde ce qu'il est capable de faire. Véritablement, Jésus ne peut pas nous abandonner. Si je dois aller à un entretien d'embauche, c'est vrai, je peux avoir peur. Mais à un moment, je dois me dire que non, il est là. Il ne va pas m'abandonner. Amen. Je dois me dire, non, il ne va pas m'abandonner. Donc, à cause de ça, je vais faire confiance. Parce que c'est ce que Josué a dit. Il a dit que ce sont des incirconcis. Vous vous souvenez qu'à Canaan, il y avait Rahab. Rahab, elle n'était pas géante. Il y avait même, vous savez, Abraham a été à Canaan. Il a mis ses pieds là-bas. Dieu a dit, va dans le pays où je te montrerai. Le gars, il a marché là-bas. Ça s'est complété par Josué. Là où la plante de tes pieds fleura, je te donne cela en possession. Abraham est déjà passé par là-bas. Les anges, les trois anges de Dieu sont venus là-bas. Donc, ils avaient déjà donné ça à Abraham. Jacob a eu ses enfants là-bas. Vous savez que le frère de Jacob, jumeau, Ésaü, a pris des femmes cananéennes. Ce n'était pas des géantes. Mais tu peux voir un petit truc et tu peux croire que tout est ténèbre. Juste un petit truc. Il y a la guerre en Ukraine. Ça y est, on va mourir. Mais il n'y a pas la guerre dans les 98 nations autour de nous. Non. C'est pour cela qu'il faut véritablement qu'on puisse toujours avoir les regards sur Christ.
Je vous dis, c'est écrit qu'il y avait des géants. Ce n'est pas faux, il y avait véritablement des géants. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y avait véritablement des géants. Ça veut dire qu'il y a véritablement des difficultés dans nos nations. Il y a véritablement des choses, on a l'impression qu'il y a des portes qui sont fermées. Il y a véritablement des choses comme ça. Mais si Dieu te dit, je sais pourquoi je t'ai établi dans cette nation, il sait pourquoi il t'a établi dans cette nation. Il n'y a pas de hasard. Quand personnellement je vis en France, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que le jour où j'étais née à Yopougon, en Dokwa là-bas, Dieu m'avait déjà vu en 2022 sur la terre de la France. N'est pas impressionné. La peur du lendemain. Pourquoi tu as peur du lendemain? Je tiens ton lendemain entre mes mains. Je tiens ton lendemain entre tes mains. C'est moi, Dieu, je le tiens entre tes mains. Si Dieu tient mon lendemain entre ses mains, c'est pour cela, vous savez, les Juifs, leur force, c'est quoi? C'est toujours se répéter ce que Dieu a déjà fait. C'est pour ça qu'ils ont toujours la Torah. Dans la Torah, Dieu leur a dit quoi? Raconte tout ce que je vous ai fait à vos enfants. Pourquoi? Parce que de savoir ce que Dieu a déjà fait dans le passé te rassure. Amen. De savoir ce que Dieu a déjà fait dans le passé nous rassure pour l'avenir. Nous rassure. Personnellement, moi, quand je vais dans ma méditation, j'ai les yeux focalisés sur toutes les choses que Dieu a fait pour moi. J'ai conscience quand je mets mes pieds en Afrique pour voir certaines difficultés. Mais dans ça, Dieu m'avait toujours honoré, toujours élevé. Pourquoi? À cause de son alliance. David a dit à Goliath, vous imaginez l'histoire de David et Goliath, pour m'arrêter là, c'est extraordinaire. J'aime bien voir les difficultés dans la Bible. Il faut regarder, il faut méditer sur les difficultés de la Bible. Et vous allez vous dire, non, c'est pas possible. On pense que David, le gars, il était dans un champ là-bas, et puis Samuel est arrivé, il allait le chercher juste parce que c'était le petit, que les gens méprisaient. Non. David avait une intimité avec Dieu. C'est ça. C'est Dieu, il prend plaisir en cela. Ça fait plaisir. Moi, les gens qui ont confiance en moi, je les aime aussi. Parce qu'ils ont confiance. T'as confiance en moi, tu viens chez moi, je te laisse la clé de chez moi. Mais si toi, tu me vois en bizarre. Et je me dis, mais si tu me vois en bizarre, c'est que c'est suspect. Non, mais c'est comme ça en fait. David avait une confiance en Dieu. Regardez le peuple d'Israël, une armée. Ils sont entraînés à la guerre. Ils arrivent devant les Philistins. On dit une seule personne, Goliath. Ils ont peur. Et pendant plusieurs jours, ils sont en train de se mettre toute forme d'idées, de pensées dans leur tête. Alors que si par exemple j'avais pensé à Dieu, ils allaient tout de suite avoir des stratégies pour dire, bon, 10 personnes se mettent de l'autre côté, 10 autres ailleurs, et puis on saute tout sur lui. J'en sais rien. Mais la peur les a terrorisés et ils restaient à l'écart. Mais David dit quoi? Il ne regarde même pas sa taille. C'est ça qui est extraordinaire. Ça dit, il n'y a pas de hasard. Ce n'est même pas une question de David. Mais c'est pour montrer les détails dans les problèmes qui sont plus que des montagnes. Le gars, il est tout petit. Il n'a jamais combattu. C'était un berger. On lui donne les armes même tombent. Mais il y a une chose dont il est conscient. Il répète ce que Josué avait dit. C'est un incirconcis. Ça suffit. Incirconcis veut dire quoi? Ils ne sont pas dans l'alliance de Dieu. Ils ne savent même pas que Dieu est bon. Oui, je vais aller postuler dans cette société-là. Ils ont travaillé. C'est une grosse société. Mais ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas dans l'alliance de Dieu. Moi, je suis dans l'alliance de Dieu. Et je ne crains rien. Il faut que ça soit clair pour moi. Et quand c'est clair pour moi, je sais où je vais. Parce que David savait qu'il avait affronté l'ours. C'était clair pour lui. Il avait combattu avec le lion. C'était clair pour lui. Si dans cette petite chose, ce n'est pas clair pour nous, c'est sûr, on aura toujours peur. C'est ça. Vous pouvez être sûr. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je peux rendre témoignage des choses que j'ai vécues. Incroyable. Je me suis retrouvée juste en détail au Togo. Comme ça, parce que j'ouvrais un commerce. Arrivé à la frontière du Togo, ce que j'ai affronté. Tous les douaniers, je pense des douaniers, des policiers, autres, ils m'ont encerclé. Ils m'ont parlé, mais pour pas vous imaginer. Non, mais j'avais jamais vu. Les gens le savent quand j'étais revenue du Togo. Une telle violence, une telle haine envers la Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas. Je ne savais pas qu'ils avaient un problème avec la Côte d'Ivoire. Ils ont juste vu que j'étais ivoirienne, ils ont commencé à m'insulter. Parce que, soi-disant, je n'étais pas en règle. Que j'avais pas le bon papier. Donc, il fallait que je donne 2000 francs CFA. Et je dis, mais moi, je ne veux pas vous donner 2000 francs CFA, c'est de la corruption. Mais il fallait pas que je dise le mot. Mais j'étais foutue. Même le chauffeur du car, il est venu, puisqu'on arrivait à la frontière, il fallait maintenant entrer dans le Togo. On arrivait à la frontière, le chauffeur du car, il ne donne pas 2000 francs, on va, on n'a pas le temps. Tu vois, le car, tout le monde commence à. Tu sens les bouches là, on me dit, mais c'est pas les filles là. Non, 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 bref, j'imagine tout ce qu'il disait là. Personne pour me défendre. On me méprisait. T'imagines, tu es là,
tu sais même pas ce que tu as fait. Et on te méprise. Mais j'avais confiance en Dieu. Amen. J'avais confiance en Dieu. Amen. Moi, je leur ai dit, si vous pensez que c'est moi qui suis en tort, je suis prête à retourner au Ghana. Les gens disent, tu vas marcher. Tu te rends pas compte du Ghana. Je dis, je vais retourner. Je dis, je vais vous dire une chose. Si je ne dois pas rentrer dans le Togo, c'est que c'est Dieu qui permet que je ne rentre pas dans ce pays-là. C'est comme ça que je vois les choses. Mais je ne donnerai pas 2000 francs. Si vous devez me rapatrier, c'est que Dieu ne veut pas que j'aille dans cet endroit. Parce que je ne connais pas cet endroit. Il me protège. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Mais je ne donnerai pas 2000 pour passer. S'ils me permettent de passer, c'est que je dois aller dans ce pays. D'autres sont venus, commissaires, tous sont venus en parler. À un moment, ils ont dit, allez-y, partez. Je peux vous donner une liste des choses. C'est des trucs que quand tu vis, tu te dis, waouh, purée, j'ai pas eu peur. Parce qu'à un moment, quand tu réfléchis, tu te dis, mais c'était des malades, au fait. C'était des malades, ils étaient violents. Juste parce qu'il y a un mot qu'il ne faut pas dire, corruption. Ils étaient violents à 6h du matin. Après 36 heures dans le cab, parce que je ne devais jamais partir, on m'a donné un mauvais conseil, laisse tomber, je ne ferai plus jamais ça. C'est juste une parenthèse. Mais ça, c'est un détail. J'ai vécu trop de choses. J'ai voyagé tous les 3 mois, j'ai pris l'avion sans payer. Juste parce que Dieu m'a dit, va au Côte d'Ivoire, parce que mon mari vivait dans cette nation-là. C'est pour cela, en tant qu'une famille de Dieu, je vais toujours vous inviter à prendre du temps à contempler Jésus. Tout ce qu'il a déjà fait, avec qui il marchait, comment il se comportait avec eux, qu'est-ce qu'il leur apportait, qu'est-ce qu'il leur demandait en retour. Rien. Ce matin, je me suis levée, je ne me sentais pas bien, c'est bizarre, je ne sais même pas pourquoi. Je ne me sentais pas bien. Et j'ai commencé à répéter. Il a déjà porté toutes mes maladies. Amen. J'ai tellement répété, moi je me dis, je vais mettre mes talons. Amen. Alors que depuis, je n'avais pas de talons, je vais mettre mes talons. Alors que j'avais mal, j'ai mis mes talons. Et j'ai commencé à répéter et je me suis mise là. Avant que les gens ne viennent, j'ai commencé à contempler Christ. Quand je dis contempler Christ, tout ce qu'il a déjà fait, toutes les personnes qu'il a guéries, il a porté toutes mes maladies en son corps. Il les a portées. Il a souffert. Il les a portées. Il les a déjà portées. Il les a déjà portées. Je suis sortie de Christ. Je ne suis pas de mes parents pour que je... Non. C'est ça. Je ne suis pas de ce monde. Je ne marche pas dans les lois de ce monde. Alléluia. Ouvrir la mer en Dieu, ça dépasse toutes les sciences, toutes les lois, toutes les choses. C'est vrai, il y a des lois dans ce monde. Mais dans le domaine surnaturel, Dieu dépasse, surpasse les lois de ce monde. Amen. Je vous ai véritablement parlé avec mon cœur parce que lorsque j'ai eu cette méditation avec le Saint-Esprit, il m'a dit, il faut véritablement enseigner ces choses. Il faut que les enfants de Dieu puissent tout le temps chercher le cœur de Jésus. Et face à un défi, parce que chacun de nous rencontrons des défis tous les jours. Chacun un défi qui est comme une montagne. Je ne parle pas d'un petit truc. Ça, il y a des petits trucs. On se dit, oh, c'est juste ça. Mais il y a véritablement des trucs où tu ne sais même pas quoi faire. Il faut que tu te mettes à queue, tu commences à regarder ce qui s'est passé, ce que Dieu a déjà fait. Et te le répéter pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Répète-toi ces choses. Et comme Jésus le dit tout le temps, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il parle de celui qui veut saisir la révélation, la saisisse. Parce que c'est gratuit. Amen. Parce que dans une classe, on peut enseigner pendant des années et il y a des gens qui avancent. Mais la volonté du prof, c'est que tout le monde avance. Amen. Avec des excellentes notes. Comme mon cher et tendre pour nous le disons, vous connaîtrez la vérité qui est Jésus-Christ. Et la vérité qui est Jésus-Christ vous rendra libre. Amen. Soyez bénis, je vous embrasse. Alléluia.